Bonsoir. Il y a déjà 5 valises, 4 sacs de sport, un trampoline, 3 chiens, 2 enfants. Pas facile donc de trouver de la place dans la voiture des vacances pour votre instrument préféré et votre hobby de prédilection. Eh bien voici la réponse. Dans cette housse magnifique et matelassée se trouve donc une vraie guitare. Il s'agit donc d'une guitare de voyage de chez Blackstar. Et là vous me dites, mais non, tu es sous Blackstar, ce sont des amplis, pas des guitares. Et là je vous réponds, oui. Jusque-là, effectivement, Blackstar, c'était une marque typiquement britannique d'amplis, avec des amplis bien joufflus, pleins de lampes qui rougissent, et puis des amplis à piles comme le Fly, qui permettent d'avoir le gros son sans se péter le dos. Et bien maintenant, ce sont aussi des guitares. Pour ce faire, ils se sont alliés à leurs voisins, puisque juste à côté de leur usine, il y a le luthier Gordon Smith, qui se spécialise dans la guitare type junior, autant vous dire que ça m'intéresse plutôt, et ils ont conçu ensemble donc cette merveille absolue, un seul micro, merci, un mini humbucker splittable, ici, avec donc un corps en okoumé, le manche vissé, le tout en une seule pièce, et puis un binding style fausse écaille de tortue, ce qui est ultra classe. Le tout ultra jouable, très agréable, bon évidemment avec une sangle c'est encore plus simple, et puis surtout facile à transporter évidemment. Ça peut être une guitare de vacances, facile à amener dans une voiture, facile à faire passer en bagage à main dans un avion, mais ça peut aussi être une guitare de concert, pour une deuxième guitare de rechange, pour une guitare en open tuning, si vous avez la flemme d'amener trois guitares de taille normale, et puis tout simplement une guitare à laisser traîner à la maison, soit pour inciter les petits à la prendre, soit pour vous faire plaisir devant le canapé, sans sortir une double manche. Merci Blackstar. Thank you.
Thank you.